Bonjour les amis, je suis dans le sud de Tenerife. Vous voyez, il fait un petit peu nuageux aujourd'hui, mais on a bien sûr toujours une température hyper agréable ici. Donc le sud de Tenerife, c'est à peu près 330 jours de soleil. Dans le nord, à peu près 300, c'est un petit peu plus nuageux, mais vraiment, c'est très agréable, quel que soit l'endroit à Tenerife. Donc vous aurez toujours un temps hyper agréable. Et c'est l'endroit idéal pour faire du business sur Internet. Pourquoi? Parce qu'on est en Europe, il n'y a pas de TVA ici, ce qui veut dire que si vous facturez, vous faites du travail ici sur Internet et vous facturez à des clients en France, en Belgique ou ailleurs en Europe, eh bien vous ne devez pas leur facturer la TVA puisque votre activité est faite à partir d'ici. Donc c'est quand même un avantage très intéressant. Vous pouvez vous mettre à votre compte, donc ici on appelle ça autonomo. Vous allez payer au début très peu, puis après 1 ou 2 ans, vous allez payer 300 euros par mois de charges sociales et 20% sur vos bénéfices. Donc vous voyez que ce sont des conditions hyper agréables. Vous pouvez travailler la journée et quand vous en avez marre, ben vous allez à la plage. Il y a beaucoup de plages très sympas ici à Tenerife. Donc, c'est hyper intéressant comme endroit. On a des connexions Internet très rapides. Ils sont en train d'installer la 5G. Elle est déjà placée à certains endroits. Donc, Tenerife est un endroit vraiment où Internet a une place très importante, très rapide. Donc, on a 1 giga dans les deux sens ici. Donc, pour uploader vos vidéos, pour faire des vidéoconférences, ça va super bien ici à Tenerife. Donc, je fais cette activité sur Internet, du business sur Internet depuis de nombreuses années. Donc, c'est vraiment un endroit auquel vous devriez songer si vous avez envie de venir travailler ici, soit en permanence, comme c'est mon cas, soit de temps en temps. Donc Internet, le business sur Internet ici est vraiment idéal pour quelqu'un qui cherche un endroit ensoleillé où vous pouvez aller à la plage en fin de journée après votre journée de travail. Donc il y a même certaines personnes qui viennent travailler en coworking ici à Tenerife ou sur les autres îles sans le dire à leur patron. Bon. Mais sinon, moi je vous conseille de vous mettre à votre compte et de venir travailler ici. Il y a des tas de possibilités intéressantes de business sur Internet. Donc, si vous regardez en dessous de la vidéo, donc vous avez un lien où vous pouvez mettre votre prénom et votre adresse email et vous aurez des informations qui, je pense, sont très intéressantes. Je vous explique mon expérience, comment je suis arrivé à gagner tous les mois des milliers d'euros sur Internet. Donc, si vous suivez un petit peu le même parcours, eh bien, vous verrez qu'on peut vivre de manière très agréable ici à Tenerife, où en plus le coût de la vie est vraiment très sympa. Une bière, une boisson, ici ça coûte le tiers de ce que vous allez payer à certains endroits en France ou en Belgique. Donc, c'est pas mal. Le soleil, plus les boissons et la bouffe beaucoup moins chères qu'ailleurs en Europe. Et vous n'êtes jamais qu'à 4 heures d'avion de la France, de la Belgique. Vous pouvez trouver hors saison touristique des billets d'avion à 50 euros le trajet, même parfois moins. Donc c'est vraiment l'endroit idéal où vous devriez venir en vacances au moins pour voir si ça vous plairait de travailler ici. Et je pense que vous avez peut-être vu certaines émissions qui vous montrent les Canaries, les personnes qui viennent travailler ici aux Canaries. Eh bien, je pense qu'elles ont totalement raison. Moi, ça fait 26 ans que je suis ici à Tenerife et je trouve que c'est vraiment l'endroit idéal pour vivre et pour travailler sur Internet. Quand vous sortez, ben, vous êtes certain d'avoir du beau temps, de pouvoir aller faire les activités que vous voulez. Vous pouvez faire du parapente toute l'année, vous pouvez faire de la plongée, vous pouvez faire de la planche à voile, du vélo. Il y a des tas d'activités ici. Peut-être que vous ne savez pas, mais les coureurs du Tour de France viennent tous les ans s'entraîner ici. Donc, vous avez des paysages formidables, vous avez de la montagne, vous avez des plages. Que rêver de mieux? Donc, je vous encourage à songer à ça, à voir ce que vous pourriez faire sur Internet.
pouvez démarrer peut-être de chez vous et peut-être un jour venir vous installer ici à Tenerife. Donc je vous invite à vous inscrire ici sous la vidéo et vous aurez des informations sur ce que je fais sur Internet et peut-être aussi des idées pour vous démarrer ces activités. Voilà, si vous appréciez ma vidéo, un pouce, ça me fera du bien, ça me fera plaisir. Et partagez la vidéo et abonnez-vous à ma chaîne YouTube si vous voulez encore des conseils ici à Tenerife. À très bientôt. Au revoir.